Merci. Merci à tous. Donc, je voudrais souhaiter déjà une chaleureuse bienvenue à tous les membres de l'école du sabbat, à ceux qui nous visitent en ce matin de d'autres églises. Nous allons profiter de passer un moment ensemble pour discuter de la leçon de l'école du sabbat. Ce trimestre, nous étudions le livre de Daniel, un livre que nous avons vu prophétique. Un livre qui nous annonce ce qui va arriver. Un livre qui nous prépare à quoi exactement? Et vous aurez la parole parce que je ne vais pas parler tout seul. Je ne vais pas parler tout seul pendant 45 minutes. Je souhaite que nous puissions échanger. Il y a un micro baladeur. Il y a un micro. Donc, si vous voulez intervenir, il n'y aura pas de souci. Vous pourrez parler. Donc c'est Jean-Luc. Jean-Luc est là, Jean-Luc a le micro. Alors, qui peut me dire en ce matin qu'est-ce que le livre de Daniel représente pour lui? Personne ne sait? Alors, qu'est-ce que le livre de Daniel représente pour vous? Alors, on lève la main pour participer. Alors, bonjour. Bien. Pour moi aussi, c'est un livre qui apporte de l'espoir, qui donne du courage. Quelqu'un d'autre? Oui. Ok, d'accord. C'est vrai, oui. Tout à fait. Et c'est capital pour nous, en tant qu'adventistes du septième jour, de savoir que nous pouvons compter sur Dieu. Oui, Tina, vous voulez parler? Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, je disais, c'est aussi un livre prophétique, un livre qui nous montre que Dieu est aux commandes, au contrôle de toutes choses, et que en son temps, il intervient. OK. Il y a Sœur Denivette. Ne vous inquiétez pas, nous allons pleinement profiter du temps pour discuter. Bonjour à tous. Le livre de Daniel est un livre prophétique, un livre dans lequel Dieu révèle à l'humanité ses plans, ses projets pour l'humanité tout entière. Donc, il est dit dans la parole de Dieu, à la loi et au témoignage, s'il ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Il est dit aussi, en quelque part, j'ai oublié le verset, enfin, ça va me revenir. De toutes les façons, le livre de Daniel est pour nous une source de force, de puissance pour tenir bon dans les temps dans lesquels nous vivons, parce que bientôt nous aurons à faire face aux mêmes problèmes, aux mêmes difficultés que les jeunes Hébreux qui étaient à Babylone. Merci beaucoup. Il est important de comprendre que c'est vrai qu'au départ, lorsqu'on parle du livre de Daniel de l'Apocalypse, ça fait peur. On pense à je dirais, tous les animaux, tout ce qui est décrit dessus. Mais durant ce trimestre et l'année dernière, lorsque nous avons vu l'Apocalypse, l'accent est surtout mis sur notre relation avec Jésus, notre relation avec Dieu, comment nous vivons, je dirais, notre christianisme aujourd'hui. Et dans le livre de Daniel, nous donne les éléments pour nous fortifier.
pas pour avoir peur, hein, pour nous fortifier face à ce qui va arriver bientôt. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, nous ne devons pas avoir peur de ces livres-là. Nous devons plutôt être fortifiés, confortés dans tout ce que, de tout ce que nous étudions. Et cette semaine, nous voyons de la fournaise au palais. Nous découvrons trois jeunes Hébreux qui ont décidé de, je dirais, de faire totalement confiance à Christ. Alors, j'ai une question pour vous en ce matin. Qui aime être dans une grande foule? Qui aime ça? On n'aime pas trop ça, se retrouver dans la grande foule. Pourquoi? Alors, dites-moi, y a-t-il des avantages d'être dans une grande foule? Y a-t-il des inconvénients d'être dans une grande foule? Alors, vous avez la parole. Qu'est-ce qui vous fait peur et qu'est-ce que vous appréciez dans la foule? Dites-moi. Alors, un exemple, dans la foule, on peut, comme on aime bien dire, on peut se fondre dans la foule. C'est-à-dire, on peut être celui qu'on ne voit pas parce qu'on ne veut pas que les autres nous voient. N'est-ce pas, oui ou non? D'autres, la foule, ça fait peur. Parce que on a l'impression d'étouffer et qu'on ne vit pas. Mais là, nous voyons dans la leçon que dans une grande foule, trois personnes décident d'aller à l'encontre de ce que la foule, ce que le groupe fait. Est-ce que vous êtes déjà arrivé dans votre vie, dans des situations, d'aller à l'encontre de la majorité? Dites-moi. Est-ce que vous êtes déjà allé à l'encontre de la majorité? Et est-ce que c'est quelque chose de facile? C'est très... Pourquoi? Attends, va te donner le micro. Pourquoi c'est très difficile, Ghislaine? Pourquoi c'est très difficile d'aller à contre-courant? Alors, en me remémorant mon expérience, c'était dans le domaine professionnel. Je vous assure que quand vous avez tous les yeux braqués sur vous, et vous savez que dans les yeux, c'est le miroir de l'âme, vous voyez tout de suite le message que ces personnes vous lancent. Et vous, vous voulez agir selon vos valeurs. Et parfois, on a des doutes. Si on n'est pas fort, on a des doutes. Et parfois, c'est là où je ne vais pas dire je comprends, je ne vais pas dire j'excuse. Et c'est là où la foi, parfois, peut... C'est être ébranlé. Mm-hmm. C'est là aussi, parfois, on peut faire un compromis. Et parfois, le compromis, ce n'est pas le bon choix. Tout à fait. Et c'est après que j'ai compris vraiment que la majorité n'a pas toujours raison. Parfois, c'est une minorité qui a raison. Mais cette minorité, quand elle a raison... Sur le coup, sur le champ, les gens ne s'aperçoivent pas pourquoi cette minorité a raison. Mm-hmm. Souvent, c'est des années après. Ah, en effet, souviens-toi, elle avait dit que... Alors, là, tu dis, ils vont à contre-courant. Là, nous avons les trois jeunes Hébreux. Qu'est-ce qui les pousse dans cette situation où le roi Nebuchadnezzar fait adorer une statue en or? Qu'est-ce qui les pousse à aller à contre-courant alors que la majorité, et on peut penser que tous les, il y avait des Hébreux dans la foule, se sont mis à genoux, je dirais, au son de la musique. Qu'est-ce qui les pousse à refuser de se mettre à genoux? Bonjour à tous. Bonjour, oui. Bon, je vais vous dire un petit mot. Je pense que par rapport à ce qu'ils avaient déjà vécu justement à Babylone, on vient de parler de leur déportation. Ils étaient bien jeunes. J'ai apprécié ce qu'a dit la sœur. Ils ont respecté ce qu'ils ont appris de leurs parents. Et si on continue dans cette voie, ils connaissent parfaitement le décalogue qui dit qu'on ne doit pas adorer les idoles
et qu'on n'a qu'un seul Dieu, et ce Dieu, c'est lui seul qu'on doit adorer. Donc, ils ne pouvaient pas, pour deux raisons, dire que ça n'allait, qu'ils allaient adorer quelqu'un d'autre que Dieu, parce qu'ils avaient déjà dit à Nebuchadnezzar, il n'y a pas de souci. Ils lui avaient déjà expliqué par le biais de Daniel, donc, que par rapport à la statue que Dieu lui avait montrée, que c'était la tête seulement qui lui correspondait en or, et non pas tout le corps, déjà d'une part. Donc, s'ils se mettaient à adorer cette statue devant tout le peuple, ça voudrait dire qu'ils renient ce que Dieu leur avait dit quelque temps auparavant. Le roi a voulu transformer à sa façon ce que Dieu lui avait annoncé. Il a fait une statue tout en or, de la tête aux pieds. Alors que Dieu lui avait bien expliqué que c'était uniquement la tête qui était en or. Ça, c'est un élément. Et d'autre part, il savait qu'il ne fallait pas s'agenouiller devant une statue. Alors, tu nous dis qu'il savait qu'il ne fallait pas adorer une statue. Mais quel est le texte qui... Sur quoi il se basait? Sur quoi? Les dix commandements de Moïse. Alors, tu nous dis les dix commandements. Alors, le verset exact. Alors, nous allons prendre la Bible. Dieu. Nous allons prendre la Bible, oui. Puisque la Bible doit être notre source. Alors, oui. Dans Exode 20, oui. Exode 20, bon, il n'y a pas de... Pas par cœur, hein. Voilà. Exode 20, bon, j'ai ma Bible. Exode 20, le verset 3 et 4, merci. Alors, si quelqu'un peut lire, on va lui donner le micro. Il est important que... Pourquoi j'insiste que nous... La Bible doit être notre référence. Et ces jeunes Hébreux connaissaient les Écritures. Donc, Exode 20, les versets 3 et 4. Qu'est-ce qu'il est dit? Alors, quelqu'un, on lui passe un micro rapidement. Alors, Odile, merci. Alors, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Donc, ces jeunes Hébreux connaissaient ce texte-là. Est-ce que connaître ce texte-là suffit pour ne pas se prosterner devant la statue? Qu'est-ce qu'il faut en plus? Il faut la foi. Ensuite, la conviction. Ensuite. Oui, Daniel. Il faut aimer Dieu assez fort pour que ce soit lui. Il faut aimer Dieu assez fort pour que ce soit lui qui reste le Seigneur suprême de notre vie. Ok. Tout ce que vous dites est exact. Mais il y a une chose capitale, importante. Il faut être en connexion avec Dieu en permanence pour pouvoir mettre ce texte en pratique au moment de la difficulté. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Connaître le texte ne suffit pas. Connaître que c'est Dieu qui a écrit, qui a redonné à Moïse les dix commandements, ça ne suffit pas. C'est bien. Mais il faut approfondir et avoir cette relation régulière chaque jour avec Dieu pour pouvoir, lorsque je serai dans la difficulté, pouvoir faire face et répondre, même si la majorité se met à genoux pour dire « Non, je ne me mets pas à genoux. » Et pour nous, aujourd'hui, ça se prépare maintenant. Ce n'est pas quand, je dirais, le verdict tombera et la loi sortira, dira « Telle chose ne vais pas faire » que brusquement, une envie soudaine va sortir en moi et je vais dire « Oui, Seigneur, je te... » À aucun moment. Il faut que je prenne le temps dès maintenant de prendre le temps d'étudier la parole, savoir que ça se trouve dans Exode 20, les versets 3 à 4, tu n'adoreras pas d'autres dieux, pour pouvoir chaque jour demander à Dieu de respecter ce commandement. Et quand le jour J viendra, comme les trois jeunes Hébreux, rester debout, ferme, dire non, je ne me prosterne pas. Et ça commence dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, nous devons prendre le temps d'étudier la parole de Dieu. Nous avons, je dirais, une chance considérable en tant qu'adventiste du septième jour d'avoir un livret d'études qui nous met en phase, en connexion avec Dieu chaque jour.
Combien de temps passons-nous chaque jour à l'étude de la parole de Dieu? Cette réponse est capitale pour nous dans la réussite lorsque notre foi sera mise à l'épreuve. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si je ne passe pas du temps chaque jour aujourd'hui à étudier la parole de Dieu, quand viendra le moment, je serai en échec. Et qui voudrait être en échec ce jour-là? Personne. C'est à chacun de nous personnellement à faire ce travail. Maintenant, voyons un aspect qu'on a vu dans la leçon, qui est l'adoration. Qu'est-ce que Nebuchadnezzar avait rêvé au départ? On a vu ça la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il avait rêvé? Une statue avec différents métaux représentant les royaumes, l'histoire. Nous avons vu la semaine dernière que c'était véridique, l'histoire le prouve. Et qu'est-ce qu'à la fin de la statue, qu'est-ce qu'on avait vu à la fin de Daniel 2? Qu'est-ce qui se passait? Une petite pierre et c'était... Qu'est-ce qui arrivait? La statue était détruite, oui. Une pierre, oui, merci pour la précision. Une pierre et la statue était détruite et le royaume, un royaume prenait place. Et l'adoration revenait à Dieu à la fin de l'histoire. Nebuchadnezzar a bien compris le rêve, oui ou non? Alors, qu'est-ce qui se passe, je dirais, dans sa compréhension? C'était quoi le problème? C'était quoi le problème? J'entends des murmures, mais personne ne lève la main. Pourquoi Nebuchadnezzar change-t-il, je dirais, ce rêve et transforme la statue tout en or? Pour tout le temps, oui? Ok. Il y a sur les eaux. Non, je disais que Nebuchadnezzar voulait contrer les données de ce rêve-là. Il n'était que la tête et lui, il voulait être le corps entier, qu'il soit adoré éternellement. L'histoire de Nebuchadnezzar vous rappelle pas quelqu'un dans le ciel qui a voulu faire la même chose? Alors dites-moi, qu'est-ce qu'il avait fait? Quelqu'un peut me le rappeler? Qu'est-ce que Satan a fait au ciel? Il voulait être au-dessus. Et Nebuchadnezzar avait bien compris le rêve. Mais il ne voulait pas être seulement la tête d'or. Dieu lui avait déjà fait, je dirais, entre guillemets, une belle faveur, lui faire connaître et lui dire, tu es la tête d'or. Mais ça ne suffisait pas. Il voulait tout. Et il voulait, je dirais, avoir un royaume éternel. Mais je me suis posé une question. Pensez-vous réellement que Nebuchadnezzar pensait qu'il pouvait vivre éternellement? Qu'est-ce qui prouve que Nebuchadnezzar savait qu'il n'allait pas vivre éternellement? Dites-moi. Attends, sur les autres. Vas-y, oui. Puisqu'il a dit aux troisièmes Hébreux, il ne voit pas quel Dieu qui va l'empêcher de... Ok, d'accord. Sur les eaux. Attends. Sur les eaux. Mais dans la monarchie, dans les règles de la monarchie, ça se passe de père en fils. Donc, il serait éternel. Mmh. Même si ce ne serait pas lui, Nebuchadnezzar, mais sa descendance. Nebuchadnezzar avait l'espoir, malgré le fait que son royaume serait éternel. Et comme nous dit sur les eaux, que ce soit lui ou sa descendance ou la suivante, il était persuadé. Et pourquoi il était persuadé? Parce qu'il s'était laissé influencer par l'ennemi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et nous aujourd'hui, nous pouvons vivre la même chose. Nous pouvons nous persuader, nous laisser persuader par l'ennemi que nous sommes dans le vrai alors que nous sommes dans le faux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je peux me persuader que ce que je fais est bon, c'est-à-dire que j'accomplis de bonnes œuvres,
Mais au fond de moi, je le fais dans quel but? Est-ce que l'adoration revient à Dieu ou je cherche à avoir la gloire? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très subtil. Parce que là, c'est facile, l'adoration. On voit la statue. Moi, si j'étais là, moi, non, jamais de la vie. Je ne vais pas me positionner devant une statue. Le commandement dit non. Mais dans mes actes de chaque jour, est-ce que je le fais dans le but de chercher ma propre gloire ou je cherche à satisfaire l'amour que Dieu a mis en moi? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est important aujourd'hui de savoir mon adoration est dirigée vers où, dans quelle direction et où je vais. Et ça, c'est très important, cet aspect de l'adoration. Oui, Moïl. Vers qui? Et je rajoute, merci. Vers qui? Est-ce que c'est en direction de Dieu ou c'est en direction de ma personne ou vers quelqu'un d'autre? Et je reviens toujours à cet aspect-là, pour comprendre, je dirais, ne pas tomber, je dirais, de l'autre côté, c'est en passant du temps à l'étude de la parole. Et vous voyez, j'insiste sur cette partie-là. Car si nous voulons être forts quand les moments difficiles viendront, c'est là qu'il faut être fort. Deuxième élément important qui apparaît, c'est la fidélité. Nous le voyons clairement que Dieu demande à être fidèle. Alors, lisons rapidement Deutéronome 4, verset 20. Je ne sais pas si l'écran est prêt, pas encore. Alors, quelqu'un va lire. Deutéronome 4, verset 20. Et quelqu'un d'autre prendra 1 Roi 8, verset 51. Et Jérémie 11, verset 4. Alors, Deutéronome 4, verset 20. Quelqu'un lève la main qu'on a trouvé. Et Jean-Luc va passer le micro. Deutéronome 4, verset 20. Mais vous, l'Éternel vous a appris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre comme vous l'êtes aujourd'hui. OK. Alors, 1 Roi 8, verset 51. 1 Roi 8, verset 51. Et ensuite, une dernière personne, Jérémie 11, verset 4. Car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte au milieu d'une fournaise de fer. OK. Et Jérémie 11, verset 4. Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte de la fournaise de fer, en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai, alors vous serez mon peuple. Et je serai votre Dieu. J'ai pris ces trois textes-là pour montrer, surtout dans le Deutéronome et dans un roi, la base de ces trois jeunes Hébreux qui connaissaient que Dieu est toujours fidèle et il répond. Maintenant qu'ils se trouvent, je dirais qu'ils ont décidé qui adorer, maintenant ils doivent faire face à leur fidélité vis-à-vis de Dieu. Alors, ma question est la suivante. Lorsqu'ils voient la fournaise, pensez-vous qu'ils sont sûrs que Dieu peut les délivrer de cette fournaise-là? J'entends... Alors, quelqu'un lève le doigt. Quoi? Alors, il y a... Ghislaine, pour qu'on puisse bien entendre. Lui Fernand. Je dirais qu'ils n'ont pas la certitude quand ils disent bien que même si le Dieu des cieux ne les délivre pas, ils ne changeront pas d'avis. Ils ne se prosterneront pas devant cette statue. Tout à fait. Ils n'ont pas la certitude que Dieu va les délivrer. Mais ils ont une certitude. Laquelle? Quoi? Qu'ils ne vont pas se prosterner. Est-ce que vous voyez la différence? Ils n'ont pas la certitude que Dieu va les délivrer. Et l'histoire nous montre que tout
tous ceux qui ont été martyrisés n'ont pas été sauvés. N'est-ce pas? Oui ou non? Mais ils avaient la certitude qu'ils n'allaient pas désobéir à l'ordre de Dieu. Et aujourd'hui, avons-nous cette certitude que nous allons obéir à la loi de Dieu? Avons-nous cette certitude que nous n'allons pas passer de l'autre côté du fait de notre désobéissance? Et ce qui crée la certitude chez eux, c'est qu'ils savent qu'ils servent un Dieu juste et fidèle. Et même s'ils devaient mourir, nous n'allons pas nous prosterner. Et j'ai cette certitude que Dieu fera ce pour moi, il y a quelque chose de meilleur pour moi, au-delà, même si je meurs. N'est-ce pas? Et nous avons cette espérance, nous, oui ou non, que Jésus-Christ revient nous chercher. Et même si ce corps charnel doit mourir aujourd'hui, j'ai cette espérance en Christ que j'ai la vie éternelle. Est-ce que vous voyez la différence? Ayant cette certitude de la vie éternelle, quoi que ce corps charnel lui arrive aujourd'hui, persécuté, maltraité et de toutes sortes de mots que vous voulez, mon espérance me permet de rester debout devant face aux difficultés. Et c'est là la clé de l'espérance. Savoir que Christ a déjà gagné le combat, a déjà vaincu Satan. Et même si mon corps charnel doit être, je dirais, maltraité, je sais que le Seigneur a prévu quelque chose de meilleur pour moi. Et qu'il, lui, il est toujours fidèle et il ne ment jamais. Et nous devons avoir cette certitude que Dieu ne ment jamais. Et comme il ne ment jamais, nos jeunes Hébreux ont-ils été délivrés? Oui ou non? Ont-ils été délivrés? Comment? Qui peut me rappeler rapidement l'histoire? Comment ont-ils été délivrés? Jésus lui-même est descendu. Et le roi lui-même reconnaît. Ouais, Jésus lui-même descend pour pouvoir délivrer ses enfants. Alors, avez-vous déjà senti la présence de Jésus auprès de vous et vous délivrer dans une situation? Dites-moi, oui ou non? Moi, je veux dire, je l'ai déjà vécu. Dans des situations où je suis sous la route assez souvent, je peux vous dire que des fois, je me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais avec du recul, je comprends que c'est la main de Dieu qui a agi pour m'empêcher d'avoir un accident. Et ceci, nous le vivons chaque jour dans nos vies. Mais est-ce que nous faisons attention à tous ces petits détails de notre vie? Ou nous disons, ah, mais non, c'est le hasard, c'est un coup de chance. Dieu agit chaque jour dans nos vies. Chaque jour, il nous protège de difficultés. Chaque jour, il met sa main là sur nous. Et même si quelqu'un... Oui. Jean-Luc, d'ailleurs, toi, il y a la sœur, voudrait parler. Vas-y. Dieu même peut nous préparer à quelque chose qui va arriver dans les minutes qui viennent ou dans la journée. Parce que le témoignage que je peux donner, qui est court, hein, je ne vais pas donner tous les détails. Mais un jour, j'étais malade, je me sentais pas bien, je faisais le va-et-vient entre le balcon et ma chambre. Et je sentais que je serais malade. Et même que je le disais, je sens que je serais malade, mais je ne sais pas pourquoi je sens que je serais malade. Alors, je vais me coucher sur le lit, je me relève, je vais sur le balcon. Je l'ai fait pendant combien de temps? Et quelques minutes après, j'ai su pourquoi je serais malade et j'allais mieux. Quand j'ai eu le problème, disons que Dieu m'avait déjà donné la force, c'est que Dieu m'avait déjà donné la force de, quand je vais recevoir cette nouvelle, que je resterai fort, parce que j'étais déjà malade. Donc, comme j'étais déjà pas bien, donc automatiquement, une nouvelle, c'est comme dans notre vie de tous les jours,
une bénédiction, un problème, un autre, de toute façon, si on a l'habitude d'avoir les problèmes et que nous savons que Dieu va nous délivrer, ce n'est pas si grave. Donc, restons sous cette protection de Dieu. Nous restons sous cette protection de Dieu. En ce matin, Dieu est là et il est fidèle. Il souhaite que chacun d'entre nous, nous puissions être en constante relation avec lui. Qui serait prêt en ce matin à dire rapidement qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie? Qui est prêt à parler ce matin? Il y a Simone. Je peux dire que Dieu répond et est tout près de nous. J'avais un problème de logement. Et quand on m'a appelé pour me donner les clés, j'avais 2 heures de trajet. Ça me faisait 4 heures aller-retour de mon travail. Je travaillais la nuit. Alors je leur ai dit, je suis désolée, mais je ne veux pas de ce logement. Parce que j'ai une fille de 16 ans et une fille de 3 ans. Je ne peux pas partir toute une nuit et les laisser seules comme ça. Alors on m'a dit, ah, tu vois, Dieu te donne un appartement et tu refuses. J'ai dit, Dieu a quelque chose en réserve pour moi. Il ne m'a pas encore dit où, mais je sais qu'il va me le donner. Dans un mois, j'ai été malade, j'ai fait toute espèce de choses. Et pendant que j'étais couchée à l'hôpital, le service d'hébergement m'envoie un mot, Madame Mormet, allez à Colombes pour un appartement. Et je demande aux collègues, mais Colombes, c'est où? Ils me disent, mais ce trottoir-là, c'est Nanterre, et ce trottoir-là, c'est Colombes. Et je n'avais que 10 minutes en autobus pour aller à mon travail. Donc Dieu nous donne. Alors j'ai dit, il va me le donner, il ne m'a pas encore dit où, c'est pourquoi. Nous passons tous par des épreuves, oui ou non? Mais savez-vous pourquoi les épreuves sont importantes aujourd'hui dans notre vie? Pour fortifier notre foi. Ensuite, nous donner de l'assurance que Dieu est toujours fidèle. Il ne faut pas que nous puissions blâmer les épreuves. Ça ne veut pas dire qu'il faut chercher les épreuves, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Car elles sont nécessaires à la formation de notre caractère afin de pouvoir éliminer ce qui ne va pas en nous, parce que nous sommes des pécheurs et nous allons jour après jour en progression, et aussi pouvoir être debout lorsque viendra la dernière tentation. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Elles sont utiles pour nous forger. Pas facile. N'est-ce pas? Qui aime ça, les épreuves? Personne. Mais qui n'a jamais connu d'épreuves? Personne non plus. Donc, il y a une réalité que nous devons faire face. Et ces trois jeunes Hébreux se trouvent face à une épreuve, à une difficulté, je dirais à un véritable mur de feu. Mais ils savent qu'ils ont confiance en Dieu. Pareil pour nous aujourd'hui. Lorsque nous vivons des difficultés, nous devons avoir cette certitude que Dieu dirige toutes choses. Mais j'ai une question. Je sais que Dieu est là dans l'épreuve. Mais nous avons une mauvaise habitude dans l'épreuve de faire quelque chose. C'est quoi? Dites-moi. Nous avons une mauvaise habitude de murmurer. Alors, c'est bien, c'est pas bien. C'est humain. Alors, dites-moi. J'ai une souffrance. Je parle à une sœur de la souffrance pour qu'elle puisse m'aider à prier.
Est-ce que c'est ce que vous appelez murmurer? C'est quoi vous appelez murmurer? Alors, je renvoie la question exprès. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on appelle murmurer? Dites-moi, selon vous. Alors, Ghislaine, Jean-Luc, attends, il y a Ghislaine. Parce que nous sommes là pour échanger. Hein? Alors, Ghislaine. Pour moi, murmurer, c'est comme si on faisait presque, enfin presque, ou tout simplement un reproche à Dieu. Mais Seigneur, pourquoi permets-tu que cela m'arrive? Pourquoi à moi précisément? C'est ça le murmure. D'accord. Alors, si c'est ça le murmure, un reproche. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ou il y a une troisième solution? Alors, dites, oui, alors, au fond, Jean-Luc. J'ai pris connaissance du murmure quand j'étais dans le diaconat. Et c'est vrai que ça vous décourage. Quand vous commencez à murmurer, ça vous décourage. Et j'ai fait l'expérience, par exemple, j'arrive et le temple n'est pas prêt pour le sabbat, ou pour la personne qui devait faire le service n'était pas venue, avait oublié. Et je me suis mise en prière. Parce que justement, j'ai constaté, quand me mettant en prière, eh ben, tout était vite fait. Je ne sais pas comment, mais tout était vite fait. Tout le problème avait disparu. Et j'ai compris par là, parce que c'est pas la seule expérience, j'ai compris par là que quand on murmure, nous perdons la force, nous perdons courage. Alors, si j'avais continué à murmurer et que je n'avais pas prié, ben, je serais restée là, fatiguée à faire tout. Et alors que quand je me suis mise en prière, tout de suite, tout s'est rétabli. Alors, OK. Alors, avant de donner la parole à Odile, je vais demander à Marie-Daniel de nous chercher sur le dictionnaire qu'est-ce que murmure veut dire. Et nous allons continuer. Odile. Oui, je voulais juste dire qu'il y a une différence entre murmurer et se plaindre tout le temps. Moi, je pense que Dieu n'empêche à personne de pleurer lorsqu'on a une souffrance, mais le but n'est pas de se plaindre à tout moment aussi. Ouais. D'accord. Ensuite, quelqu'un a dit, avant de donner la parole à Marie-Daniel. Claudine, oui. On a dit murmurer, il y a chuchoter ou se plaindre. Donc, si on chuchote, c'est murmurer. Et se plaindre, c'est murmurer contre Dieu, tu as demandé. Donc, il y a deux manières de voir. OK, je note, hein, on peut noter. Marie-Daniel va nous donner la définition. Tu as trouvé, Marie-Daniel? Attends, donne le micro. Effectivement, murmurer a deux sens. Le sens que notre sœur vient de donner, Claudine. Faire entendre un bruit sourd, mais aussi faire entendre une sourde protestation, un grognement peu explicite de mécontentement. Donc, c'est les deux sens du mot murmurer, faire entendre. Donc, murmurer, ça peut être quelque chose de doux, mais ça peut être aussi ici une sourde protestation, un grognement peu explicite de mécontentement. Tout à fait. Et c'est là la frontière, je dirais, est très mince. Et c'est là que nous basculons le plus souvent. Je peux, comme disait Claudine, chuchoter, c'est-à-dire dire à Dieu que je souffre, que j'ai mal. Mais lorsque je vais voir, comme et Sœur Thalie le disait, je veux voir une sœur pour lui raconter mon problème. Est-ce que je lui raconte le problème de manière pour montrer que je souffre et que j'aspire que Dieu m'aide, ou que je lui raconte le problème afin qu'on puisse vraiment s'intéresser à moi, à ma personne, et je remets en doute ce que Dieu peut faire, le miracle que Dieu peut faire. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence? Et c'est là des fois que nous tombons facilement de l'autre côté, où nous n'arrêtons pas de nous plaindre, de même mettre en accusation Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Mais lorsqu'on voit l'attitude des trois jeunes Hébreux, qu'est-ce qu'ils font? En prière, et ils glorifient Dieu de ce qui leur arrive et du résultat qui va arriver. Et je dirais que c'est comme cela que Dieu, cet exemple, doit agir dans nos vies. C'est-à-dire que lorsque je suis dans la souffrance, lorsque je suis dans la difficulté,
Lorsque je suis maltraité par un de mes parents, quand je suis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais répondre de manière violente à ce que je subis? Ou je vais laisser Dieu agir en disant, le Seigneur sait pourquoi ce qui se passe. Et il agira comme bon lui semble, car je lui fais confiance. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et ça, nous devons, en tant qu'adventistes du septième jour, en tant que chrétiens adventistes du septième jour, pouvoir l'accomplir chaque jour face aux difficultés. Et c'est là que va montrer vraiment que Dieu existe, qu'il y a un Dieu qui existe et qu'il est tout puissant. Parce que lorsque les jeunes hébreux se mettent debout, je te donne la parole, se mettent debout là pour dire, quoi qu'il arrive, nous n'allons pas nous prosterner, ils sont en train de montrer au roi qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui et qui commande tout. Donc aujourd'hui, de la manière que nous vivons, nous devons montrer aux autres qu'il y a un Dieu qui s'occupe de nous, même si je suis dans la pauvreté, même si je suis mal, je suis battu par les épreuves de la vie, ils doivent voir en moi un chrétien debout qui sait que Christ dirige toutes choses et que Christ fera ce qu'il y a à faire. Et même si je dois mourir sous les propos, sous les coups des autres, Dieu connaît tout et la justice de Dieu est au-dessus de tout. Oui, ma sœur. En un mot, nous devons nous asseoir sur les promesses de Dieu. Et quand nous connaîtrons les promesses de Dieu, que ce sera mis dans nos cœurs, à chaque fois que nous aurons une difficulté, la promesse qui va avec remontera et comme ça nous aurons la bénédiction. Ce que je voulais dire, le psaume 50, le verset 15, et Dieu nous dit, c'est une promesse. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Ce que j'ai compris dans ce, tu m'invoqueras au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Parce qu'il y a un verset où on dit, au jour de la détresse, tu m'invoqueras et je te répondrai, mais j'aime bien ajouter aussi, tu me glorifieras. Tout à fait. Et il y a quelque chose d'important aussi que nous voyons avec les jeunes Hébreux. Les jeunes Hébreux, ils ont confessé le Christ. Et Madame White nous dit dans le livre How High Caring, page 358, confesser le Christ signifie beaucoup plus que donner un témoignage à une réunion de prière. Notre confession doit être différente de celle faite jusqu'à présent et que nous aurons à faire demain dans des circonstances différentes. Les trois Hébreux furent appelés à confesser Christ face à la fournaise ardente. Si vous êtes appelé à traverser la fournaise ardente pour l'amour de Christ, Jésus sera à vos côtés. Et Ésaïe nous dit dans, et Jésus dit dans Ésaïe 43, verset 2, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé. Avons-nous la certitude de cette parole-là? Et cette certitude ne doit pas être une certitude, je dirais, intérieure, mais doit se voir dans la manière dont nous vivons, dans la manière où j'exprime, je vis mes épreuves, dans la manière que je vis ma relation avec mes frères et sœurs, dans la manière où, même si je suis maltraité par un de mes frères et sœurs, la manière que je vais agir vis-à-vis de cette personne. Parce que les trois jeunes Hébreux, est-ce que ce que le roi faisait était juste vis-à-vis d'eux? Ce n'était pas juste. Mais à aucun moment, ils se plaignent de l'attitude du roi. Ils glorifient Dieu. Donc, lorsque l'idée me vient à me plaindre d'un de mes frères, je dois tout faire par la puissance de Dieu, évacuer cette pensée et chercher à glorifier Dieu. Malgré les paroles mauvaises du frère. Et je reviens toujours à ce que j'ai dit au début. Pour arriver à ça, il faut déjà au départ que j'ai pris mon temps d'étudier la parole de Dieu. Parce que notre nature humaine pécheresse, c'est zéro pointé pour faire ça. Impossible. C'est Christ, une fois qu'il habite en moi, qui me permet d'arriver à ce stade-là. Ma question, et c'est une question personnelle,
Est-ce que je souhaite vraiment que Christ agisse en moi et que face, je dirais, à l'épreuve, face à la méchanceté des autres, que je puisse rester caché derrière Christ et laisser Christ agir? Parce que nous avons tendance des fois à vouloir vraiment répondre, soit par notre langue, soit par nos mains, soit par nos pieds. Oui, Simone, tu voulais dire quelque chose? Le micro. Quand j'ai fait les trois voyages avec Pasteur Millard sous les réformateurs et que j'ai vu certaines choses qu'ils ont supportées, qu'ils ont souffert, j'ai compris qu'est-ce que c'est que la foi. Quand je vois qu'une jeune fille de 18 ans est dans un cachot et elle est sortie, elle avait déjà 50 et quelques années et elle disait toujours « résistez, ne vous laissez pas abattre ». Quand je vois qu'une jeune femme a accouché et l'enfant dans la prison et quand elle est sortie de là, l'enfant avait 17 ans. Là, ça m'a donné la force de dire, ben, si eux, ils l'ont supporté, j'espère que Dieu me donnera la force de supporter davantage. Oui, je ne sais pas si je ferai une répétition puisque je suis arrivé après la... Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Après la distribution des livres. Je voulais dire que c'est humain d'avoir ces réactions-là, pratiquement, et que ce qui nous permet de sortir dans la dimension humaine, c'est de garder à l'esprit ce que Dieu dit à ce sujet. Il te dit que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a tendance à vouloir lutter contre notre vis-à-vis, c'est-à-dire le membre de la famille ou bien le collègue de travail ou quelle que soit la personne. On veut, de par notre nature charnelle, qui, dès qu'on se sent agressé, va se mettre en place notre autodéfense et systématiquement réagir chou pour chou. Et c'est pas ce que la Bible nous enseigne. Quand on apprend à voir que nous sommes dans un conflit cosmique véritablement entre Dieu et Satan et que nous ne sommes pas de taille à lutter contre Satan nous-mêmes, il nous faut nous revendiquer de l'avocat céleste à la personne de Jésus pour défendre notre cause. Et à ce moment-là, on ne lutte pas contre la chair et le sang, on lutte contre l'esprit du mal. Et on n'est pas de taille à le faire. Donc c'est aussi cet aspect des choses qu'il nous faut prendre en considération. Et ce que tu dis est vrai. Car le plus souvent, nous voyons la personne, mais nous ne voyons pas ce qu'il y a derrière, l'esprit du mal qui règne derrière. Et des fois, des gens nous font du mal juste pour voir comment nous allons réagir et pouvoir, je dirais, les attaquer physiquement et nous mettre en difficulté. Et de dire, ah, mais c'est lui, il n'est pas adventiste. Attends, il a donné un coup de couteau à l'autre. Entre guillemets, coup de couteau légitime, maltraité, tout ça. Mais dans ce que je fais, si je me laisse aller dans, je dirais, le charnel, donner le coup de couteau, est-ce que je vais glorifier Dieu par cet acte-là? Et c'est là, lorsque j'ai pris mon temps d'étude à parole, lorsque la foi est en moi, me fait comprendre que derrière ça, il y a quelque chose de puissant, mais que Dieu l'a déjà vaincu. Et ça, c'est très important. Et prenons Exode 19, verset 5. Quelqu'un peut nous lire Exode 19, verset 5. Nous avons là une promesse de Dieu. Alors, quelqu'un a trouvé Exode 19, verset 5. Attends, on termine le micro. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Il faut savoir que cette promesse n'a pas été seulement donnée à Israël, mais à tous ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Ceux qui vivent au milieu des périls des derniers jours peuvent se rendre compte que, comme au début de leur expérience spirituelle, la vérité les avait unis au Sauveur. Ainsi, celui qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement
perfectionnera l'œuvre qu'il a commencée en chacun d'entre nous. Avons-nous cette certitude que Dieu peut accomplir cette œuvre en nous? Avons-nous cette certitude que Dieu peut agir en nous? Nous devons avoir cette certitude. Et Madame White continue dans ses écrits. Ainsi, Dieu est capable et disposé à conduire tous ceux qui acceptent d'être conduits. Il désire donner à chacun une leçon de confiance constante, de foi inébranlable et de soumission inconditionnelle. Le livre Prophète et Roi, chapitre Joseph en Égypte, les pages 191 à 199. Et je continue. Il dit à chacun, « Je suis le Seigneur ton Dieu, marche avec moi et j'inonderai ton chemin de lumière. » Il vient à tous comme avec des dons inestimables, les invitant à le choisir comme ami. Il désire en faire des membres de sa famille royale. Mais Dieu exige l'obéissance à tous ses commandements. La seule façon pour les hommes d'être heureux est d'obéir aux lois du royaume de Dieu. Voulons-nous vraiment obéir aux lois de Dieu? Voulons-nous vraiment laisser Dieu agir en nous? Voulons-nous être de véritables serviteurs comme Dieu nous le demande? Il y a quelque chose de simple à faire. C'est prendre le temps d'étudier la parole de Dieu. Prendre le temps de converser avec lui. Prendre le temps de nous retirer un moment quelconque de la journée, soit le matin tôt, soit alors que vous le pouvez. Prendre le temps de prier Dieu. Prendre le temps de chercher à le connaître par l'étude de sa parole. Aujourd'hui, il est temps que chacun de nous, moi le premier, puisse retourner, plonger dans la parole de Dieu. Et lorsque nous prendrons le temps de faire cela, vous verrez un véritable changement de l'Église. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Lorsque je prendrai le temps d'étudier la parole de Dieu, je vais découvrir un véritable changement de l'Église. Pourquoi? Dites-moi. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez pas? Vous savez pas? Alors, changement en moi, ensuite. Est-ce que vous voulez savoir le secret? Vous voulez vraiment savoir le secret? Vous êtes sûr? Lorsque vous êtes plongé dans la parole de Dieu, lorsque je suis plongé dans la parole de Dieu, je n'ai pas le temps de voir ce que Claudine fait. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas le temps de voir ce que X, Y fait. Pourquoi? Parce que j'étudie la parole de Dieu et je me laisse influencer par sa parole et tout ce que je vois est inspiré, est dirigé, est fait par Dieu. Le plus souvent, c'est que ce qui se crée, je dirais, la cacophonie, les disputes entre nous, c'est que je fais attention à ce que l'autre fait ou me fait. Mais lorsque moi, je passe mon temps dans la parole de Dieu et que je laisse Dieu s'occuper du reste, je n'ai pas le temps de savoir parce que j'ai une mission. Et lorsque nous sommes consacrés à cette mission et nous sommes dirigés par le Saint-Esprit qui nous permet d'aller de l'avant, vous verrez de véritables changements. Mais je vais ajouter quelque chose. J'ai commis une erreur en disant « vous verrez de véritables changements ». Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que je commets une erreur en disant « vous verrez de véritables changements ». Il faut que je puisse dire aujourd'hui je vois de véritables changements. Parce que ma vie est en train de changer entre les mains de Dieu. Donc, puisque ma vie change, l'Église change, tout change par la gloire de Dieu. Et nous devons être convaincus de cette chose-là. Comme ces jeunes Hébreux avaient cette certitude que Christ dirigeait leur vie, avaient cette certitude que Christ allait s'occuper d'eux et que le miracle aurait lieu quoi qu'il arrive. Je sais que mon église ici à Horeb vit le plein miracle de l'amour du Christ. Amen. Et nous devons être convaincus de cette chose-là. Il ne faut pas que ces leçons puissent être une énième leçon comme ça, mais que ces leçons puissent agir en nous et que nous soyons une église
vraiment fortes, fortifiées, puissions vivre ensemble quand l'épreuve est là. Je ne dis pas que l'épreuve arrive. L'épreuve est là. Nous la vivons chaque jour. Nous devons être de véritables exemples de ceux de l'amour de Christ et avoir cette foi forte qui nous fortifie chaque jour. Oui. Il nous reste 2 minutes. Attends, on t'amène le micro. Juste pour partager Romains 12, versets 1 et 2, disons, où Jésus nous dit, avant je connaissais ben, pas au cœur le verset, bon après les versets, mais après j'ai eu d'autres versets. Mais je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Merci. Et je vais vous laisser avec ce dernier passage à la page 198 du livre Patriarche et Prophète. La vie, avec ses privilèges et ses talents, est un don de Dieu. Rappelons-nous que tout ce que nous possédons vient de Dieu et doit lui être entièrement et librement consacré. Paul déclare, « En fait, je considère tout comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec ma propre justice qui viendrait de la loi, mais avec celle qui est par la foi du Christ, une justice venant de Dieu et fondée sur la foi. » Philippiens 3, les versets 8 et 9. Si nous voulons nous unir en Christ à Dieu, nous devons sacrifier nos idées et notre volonté. Tout ce que nous avons et sommes doit être disposé au pied du Christ. C'est mon souhait pour chacun d'entre nous. Nous allons nous lever et je demandais à Sichem de nous faire une prière de remerciement à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Levons-nous pour la prière. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, à toi la louange, l'honneur et la gloire. Merci, mon Père Céleste, pour cette leçon, ces études. Merci pour l'expérience de ces 3 jeunes hommes qui nous servent encore aujourd'hui et qui nous préparent pour les temps de qu'est-ce qui arrive. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette foi en toi, à avoir cette sérénité et cette fidélité en toi afin de faire face aux épreuves qui sont déjà là et qui arrivent bientôt. Merci de bénir abondamment l'Église d'Oreb, des petits et les grands, et que nous puissions chaque jour te ressembler, avoir une ferme, avoir une foi inébranlable à toute épreuve et à regarder à Jésus-Christ, notre seule justice. Merci pour ton amour et merci pour ta paix. Et préparons-nous pour le culte qui arrive. Nous t'avons prié en Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. L'école du sabbat se retire. Vous souhaite une bonne étude. La prochaine leçon, l'orgueil. Je vous invite à prendre le temps d'étudier cette leçon et vous découvrez des choses magnifiques. Bonne étude à tous durant cette semaine. Merci.